vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul et unboxing du mois, parce que ça fait quand même quelques temps que je vous en ai pas fait. J'ai cumulé un petit peu mes achats et mes réceptions. J'ai aussi été à la Sephora Gold. J'ai craqué sur dans le magasin plutôt normal. J'ai reçu un colis de Beauty Bay, donc je vous montre tout ça. Et aussi Boozy Shop, je crois. Donc on va commencer par la Sephora Gold. Donc j'ai mon sac ici. Je vais pouvoir montrer aussi les cadeaux que j'ai reçus aussi à la Sephora Gold. Je me suis offert pour mon propre anniversaire le calendrier de l'Avent Rituals. Je vous l'avais montré sur Instagram. Parfois, je vous montre quelques achats là-bas. Donc, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent Rituals, celui qui est à 60€. Il m'est donc revenu avec moins 25% à 45€. Donc, moi, je l'ai beaucoup aimé l'année dernière. Cette année, j'ai voulu le revoir parce que je l'ai trouvé vraiment top pour 45€. Il est quand même super complet. Ensuite, j'ai déjà acheté un cadeau d'anniversaire pour une copine. J'ai aussi acheté beaucoup de choses à la Sephora Gold pour ma copine Lily, avec qui je fais un swap calendrier de l'Avent de Noël, qui va être un swap, je pense, de ouf. Hein. Soyez prêts en décembre pour voir ces vidéos. Donc je vais acheter pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai acheté quasi que pour elle. Pour moi, je me suis acheté le baume à lèvres chouchou de tous les temps que j'aime à la folie, qui est le Too Faced. D'ailleurs, ils en ont sorti d'autres versions. À la mangue, je crois, au cacao, ou avec des goûts entre guillemets, banane aussi. Moi, j'ai pris le traditionnel, la version normale, qui est à base d'acide hyaluronique, qui va un petit peu repulper les lèvres. Il a un petit effet mentholé que moi j'aime bien, qui est léger, qui, ouais, il me plaît beaucoup. J'ai pas de problème avec l'effet mentholé. Ils disent bien que c'est un effet smoothing, donc oui, je trouve qu'il y a un effet lissant, lèvres bonne mine, quoi, entre guillemets, c'est bizarre de dire ça. Donc c'est le Hangover Pillow Balm, donc de Too Faced. Il est revenu à 14€ avec la réduction. Je l'ai terminé déjà deux fois, j'en ai déjà un qui est en utilisation, celui-là c'est mon backup. Donc je vous jure que je l'aime d'amour et je l'utilise en fait à chaque fois le matin après m'être lavé les dents. Je le mets et comme ça quand j'arrive à l'école je mets mon masque etc. Et je trouve qu'il hydrate extrêmement bien pour toute la journée. Il tient au moins bien 3h, 4h sur mes lèvres, quoi, je vous promets. Et chez Sephora, je suis restée fidèle à Too Faced, vous connaissez mon amour pour Too Faced. J'ai pris un rouge à lèvres qui est Lady Bold. Il est comme ceci, c'est la nouvelle collection de rouge à lèvres Too Faced. Oui, malgré le masque, je mets toujours du rouge à lèvres. Certes, j'en mets un peu moins, mais j'en mets toujours. Et vous le voyez dans mes vidéos, là j'ai mis un rouge à lèvres un peu gloss de chez Essence qui est assez nude. Mais sinon, je mets quand même du rouge à lèvres tout le temps. Hein. Donc c'est le Trailblazer 06. Et les packagings sont somptueux, hein, je vous le montre. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. Quand on l'ouvre, il est vraiment très très beau. Et la couleur est sublime. Je vais pas vous faire de swatch tout de suite parce que je voudrais faire une photo pour Instagram. Mais au bout, vous avez le petit Too Faced, le petit logo entre guillemets Too Faced. Il est magnifique. D'ailleurs à Londres, mais je vais à Londres là demain, il faut absolument que j'aille à la boutique Too Faced. C'est obligatoire. Donc, il faut que je le mette dans ma liste de choses à faire à Londres. Ouais. J'espère qu'elle sera ouverte d'ailleurs quand je vais y aller, mais je veux absolument y aller. Donc bref, parenthèse. Voilà, j'ai craqué pour ça. Après le reste, c'était pour ma copine Lily. J'ai beaucoup craqué, mais pour moi, j'ai pris que ça. En cadeau, la première fois que j'y suis allée, j'ai eu pas grand chose, quoi. J'ai eu ça. Je vais pas me plaindre, hein. J'ai eu ça et ça. Et un petit truc comme ça, on va dire un échantillon Dior qui est bien présenté, mais ça reste des échantillons. Donc ça, je suis contente, les masques pour les cheveux et tout, ça sert pour moi et ma fille, donc c'est très pratique. Et j'ai eu un produit teint Clarins qui était pas mal. Bon, c'est pas un grand format, mais voilà, c'est quand même une bonne miniature pour tester assez longtemps. C'est le Everlasting Teint Matte Haute Tenue et Hydratation de chez Clarins. Et la teinte, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être pas trop mal, je sais. Donc j'ai eu ça à mon premier passage chez Sephora où j'en ai eu pour 170€. Et mon deuxième passage où j'en ai eu pour 60€ parce que j'ai acheté que mes petits trucs Too Faced avec un cadeau. Et bien là, comme c'était une Sephorette que je connaissais et qui a été adorable avec moi, elle m'a vraiment beaucoup gâtée en me disant qu'il venait juste de recevoir des cadeaux pour les golds. Donc en fait, la première fois que j'y suis allée, entre guillemets, ils n'avaient pas grand chose pour les golds à part les masques. Et la deuxième fois, il y avait un petit peu plus de choses. Et là, effectivement, elle m'a pourri gâtée. Vous allez retrouver ça sur, je pense, Instagram pour les concours de Noël etc. Mais quand même, je vais vous préparer un petit lot aussi après cette vidéo, donc dans les commentaires vous allez mettre le mot quoi, féline, parce que là vous voyez par exemple c'est une palette féline. Ouais, on va faire ça. Donc vous mettrez dans votre commentaire ce que vous pensez un petit peu de mes achats, si vous aussi vous avez craqué, et vous essayerez de glisser le mot féline, parce que
Comme c'est des mots un peu compliqués à glisser dans une phrase, je sais que comme ça vous participez à mon concours. Bien sûr, on like la vidéo, on s'abonne, hein, si on n'est pas encore abonné, c'est la base. Mais du coup, voilà, je vais vous faire un lot encore une fois aujourd'hui avec les petits produits que j'ai en rab, les produits que j'ai eu cadeau, les produits, voilà. Il y a des produits que je revends, hein, que quand j'ai utilisé et que j'aime pas, je revends sur Vinted. Mais il y a des produits quand je les ai neufs et que je sais que j'ai pas les utilisés, je les garde pour vous. Je vous fais énormément de concours sur Instagram et ici, via des petites vidéos, via des petits mots de passe comme ça. Donc Féline dans votre commentaire. Donc là c'est une palette de chez Sephora. Je vais pas l'ouvrir parce que je l'avais déjà. Je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs cette palette. Il y a que des couleurs un petit peu hivernales comme ça, dans les bleus, dans les nudes. Et il y a une espèce de petite mousse. Et il y a un pinceau d'ailleurs qui est top qualité à l'intérieur. Une petite mousse pour nettoyer le pinceau entre deux couleurs quoi. Elle est vraiment sympa. Donc ça c'était un cadeau gold et c'est écrit cadeau gold, hein. Mais vous voyez, la première fois on m'a rien donné. Alors peut-être qu'il ne les avait pas encore reçus comme elle a dit. Pareil en cadeau gold, et ça c'est... ça c'est du cadeau. J'ai eu le Better Than Sex, donc valeur 30€, de chez Too Faced, mais en version waterproof. Je crois que à chaque fois ils nous l'offrent. C'est la deuxième fois que Sephora me l'offre. Alors je vais pas me plaindre, j'adore. Mais je sais pas, peut-être la version waterproof marche mieux que la version normale, je pense. Je ne sais pas. J'ai eu une miniature de parfum de chez Azzaro, le Wanted. Donc ça va aller dans ma collection de miniatures de parfum. Je suis trop contente. Une autre miniature de parfum de chez Jo Malone, qui est pareil, il y a écrit cadeau gold dessus. Et c'est quand même une miniature assez généreuse. C'est la English Pear and Fresha. Donc poire anglaise et fraise, je pense, en version haute colonne. Ça, ça doit être sympa l'odeur. Ça me plaît bien. Donc c'est un beau format. Donc vous voyez, le deuxième passage, j'ai été archi gâtée. Et je crois que c'est tout. Et j'avais eu la première fois une petite miniature comme ça, vraiment échantillon de chez Clarins, que je ne garderai pas. Voilà pour mes achats au niveau gold, hein, je vous ai tout montré, même si j'ai pas beaucoup craqué pour moi comme je vous l'ai dit. J'ai reçu de la part de Woo We Are des petits bijoux. J'ai déjà fait un partenariat avec cette marque là il y a, je pense, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, il y a très longtemps. J'avais été assez conquise par leurs bijoux. Et là ils m'ont proposé de choisir 3 bijoux. Donc je me suis dit que j'allais en choisir un petit peu 3 différents pour pouvoir vous les présenter et vous montrer un petit peu la qualité. Là j'ai pris tout d'abord pour cet été, parce que j'adore l'été avoir un petit bracelet de cheville. Donc je me suis pris un petit bracelet comme ça avec des petites pampilles. La qualité est top là. Version dorée. Sachez que c'est une société Made in France qui reverse une partie des frais de vos commandes à une association, donc ça c'est vraiment super. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et cette petite ça je vous en reparlerai de la qualité cet été quand je l'aurai mis tout l'été, parce que moi quand je mets un bracelet de cheville c'est pour tout l'été. Sachez aussi que les bijoux sont quand même prévus pour que ça aille sous la douche, etc. Il n'y a pas de problème. Et ils disent que tout défaut de fabrication de matière est garanti pour 1 an. Donc si vous avez un problème dans 1 an, c'est garanti. Vous pouvez trouver le site aussi sur Instagram, etc. Je pense qu'ils sont connectés. D'ailleurs, pour offrir, les packagings sont très beaux, hein. Regardez, c'est très sympa leur boîte. Et le deuxième, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles et une petite bague. Donc là, vous avez vu, j'ai pris en doré, mais après la bague, je l'ai pris en argenté, parce que c'est vrai que mes bagues sont plutôt or blanc. Et la petite paire de boucles d'oreilles, c'est vraiment une toute petite paire, vraiment minusculette, qui est vraiment des tout petits anneaux là, mais des mini anneaux. Alors je vais voir si ça va sur moi, parce que j'ai quand même des gros lobes, sinon je les mettrai pour ma fille. Comme c'est des tout petits anneaux vraiment qui sont collés, je vais vous les montrer de plus près, mais c'est vraiment collé à l'oreille, donc il n'y a pas de risque logiquement qu'un enfant lui attrape et lui arrache l'oreille. Je sais jamais, mais je pense pas, là je vais essayer de toute façon. Et la bague, c'est les fameuses bagues avec des pampilles comme ça. Et ça fait longtemps que j'en voulais une. Mais à chaque fois, bah, je trouvais pas ce que je voulais, etc. Donc là, en version dorée, vous voyez, il y a une petite pampille comme ça. Il est trop belle. Vous pouvez la régler vous-même, l'écarter, pour la mettre à votre doigt. Donc je vais essayer. Yes. Ouais, j'adore. Oh là là là, regardez. J'adore. Donc après, vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. C'est vous qui écartez selon vos mains. Mais là, sur ce doigt-là, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Donc ça, je vais la garder. Voilà, là, vous voyez bien la petite boucle d'oreille. Vous voyez, c'est un tout petit anneau avec des petits strass sur un côté. Et ça va être très, très, très beau. Et ça, donc, je vais essayer très prochainement. Vous la reverrez sûrement sur Instagram ou dans d'autres vidéos, hein. Si j'ai un code promo, évidemment, je vous mets ça dans la vidéo et dans la barre d'infos, hein, surtout. Je pense que j'en aurai un, hein, de la part de Who We Are, mais je vous mets tout ça, évidemment, je vous tiens au courant. Dans mes achats, je suis passée chez Lidl. J'ai pris le nouveau fond de teint, l'anti-cerne aussi de chez Lidl, donc de la marque Sien ou Sienne. Et un rouge à lèvres de cette gamme-là. Honnêtement, j'en ai entendu parler par ma copine Laetitia sur son Instagram. Et quand je suis passée chez Lidl, je dis vas-y, je vais les prendre pour tester. Et puis après, j'ai vu sa revue où elle disait que c'était horrible. Donc du coup, j'ai pas encore testé.
J'espère ne pas regretter mes achats. Bon, après, ça valait, je crois, 3 euros ou 2 euros. C'était vraiment pas cher. Bon, on verra. J'ai pris dans les tentes light. Il y avait que light et medium. Ça coûtait autour de 2-3 euros. Et le rouge à lèvres est très sympa au niveau du packaging, comme ça, un peu luxe. Il y avait beaucoup de couleurs différentes. Là, j'ai pris le classy nude. Et c'est vraiment une couleur nude très très belle. Très transparent, hein, très transparente. Regardez, voilà. Mais voilà, pourquoi pas, hein, pour tester. Donc ça, je voudrais peut-être un crash test. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un crash test, mais à voir, à voir, à voir. Hein. J'ai reçu aussi la My Little Box du mois et elle est trop trop belle. Regardez sa présentation, très colorée. Et honnêtement, alors on a des petits autocollants à l'intérieur et alors une trousse mais qui est juste sublime. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est tellement belle la trousse, regardez-moi ça. Je suis obligée de la garder, elle est méga belle. À l'intérieur, j'ai senti qu'il y avait un produit rituel parce que ça sentait tellement... Bon, les produits Rituals, je vous mens pas, ça sent à travers le packaging. Là, c'est la crème pour le corps à Ritual of Sakura, donc à la fleur de cerisier. Je l'aime tellement cette crème, je l'aime tellement. On a aussi une bougie à la lavande, je pense, hein, ils disent, pour poser l'ambiance. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est à la lavande, donc packaging comme la trousse, hein, très coloré. J'aime beaucoup My Little Box. Le mois dernier, j'avais été un petit peu déçue, mais là, conquise. Ouais, c'est vraiment clairement à la lavande. Alors, c'est pas l'odeur que je préfère, mais c'est vrai que pour détendre le soir ça peut être très sympa, ou à côté de son bain quand on est en train de faire un bain, pourquoi pas. C'est un tout petit format mais c'est très 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 cool. Donc ça, je suis ravie pour cette bougie. J'ai un code promo de moins 5 euros si vous voulez craquer pour My Little Box. Je vous mets tout dans la barre d'infos à chaque fois. On a un liner bio de la marque Haute Solution, qui est une marque que j'aime beaucoup au niveau des soins pour le visage. 100% d'origine naturelle, 25% de plantes, 25 plantes bio à l'intérieur, donc pas mal de choses. 0% d'huile de palme, vegan, made in France. Donc ça à tester. Après, les liners comme ça en pinceau, je suis pas emballée parce que c'est vraiment un tout petit mini pinceau. Et ça, moi je suis nulle, vraiment nulle avec ce genre de pinceau. Donc je sais pas si je le garderai, sinon je le glisserai dans un concours, hein. Mais ça peut plaire à pas mal de gens, hein, qui aiment les liners comme ça. Et en plus c'est du bio. Et le dernier produit, c'est quand même du lourd, vraiment. Ils ont mis un rouge à lèvres Makeup Forever. Oui, Makeup Forever, the marque de Makeup Artist. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé leurs produits d'ailleurs. Et là, c'est le rouge Artist Shine On, un rouge à lèvres sculptant. C'est la teinte 182 Jolly Blush et il est superbe. C'est des nouveaux rouges à lèvres comme ça qui sont sortis il y a pas très très longtemps, avec un format énorme comme ça. Et la teinte, alors ça s'ouvre, hein, comme ça, voilà. Et la teinte est méga belle, vraiment. Je vais le swatcher tout de suite, mais c'est vraiment une teinte qui va me plaire énormément. Tout le temps en fait, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. C'est shiny, ça se porte facilement, c'est un petit rose vraiment élevé, belle bouche. J'aime beaucoup, vraiment. Là ils m'ont épaté avec ce produit là. Et c'est un full size les gars. Chez Normal, j'ai pris des petites choses et je suis passée aussi à Lilinium chez Moa. Donc j'ai fait Normal et Moa dans le même centre commercial près de Lille. D'abord chez Moa, j'ai pris ce serre-tête là, il y avait une réduction je crois, 4 achetés, 2 gratuits, plus ils étaient déjà à moins 50%, ils me sont revenus autour de 3 euros le serre-tête et la qualité est top. Il ne serre pas vraiment la tête alors que moi j'ai quand même une grosse tête. J'ai pris cette version là un peu scintillante comme ça, un peu bling bling qui va avec tout noir. J'ai pris celui-ci qui est noir avec des fleurs un peu rouges et bleues, turquoise, qui peut aller aussi avec pas mal de choses. J'ai pris cette version là que j'aurais pu mettre aujourd'hui mais c'est parce qu'il était rangé dans le sac, noir avec des fleurs un petit peu roses comme ça. Donc celui-ci il irait très bien avec avec ma tenue du jour, hein, pour faire ressortir un peu le rose. J'ai pris celui-ci qui est version un peu comme ça, wax africain, et ça avec un haut noir. Je pense que je vais être trop trop belle et ma belle-mère va adorer. J'ai pris celui-ci, ah oui j'avais pris beaucoup, hein. Ne cherchez pas, en plus 4 achetés de gratuit, je crois que j'en ai pris 8. Celui-ci qui est superbe encore une fois, hein, avec encore une fois une majorité noire, il est très très beau. Quand je m'habille avec un petit peu de bleu ou en blanc, la dernière fois j'ai mis celui-ci, j'étais habillée en blanc, un jean, et j'avais mis celui-ci sur la tête, ça faisait très très beau, j'aimais bien. Et un avec plus de vert, un peu plus estival, voilà. Ils sont tellement beaux, j'adore mettre ça en ce moment. Depuis que j'ai fait mon dégradé comme ça, j'adore mettre des serre-têtes, oui. Donc j'en ai acheté énormément, hein, chez Moa. Et puis chez Normal, j'ai pris ceci, une coloration parce que je vais en avoir besoin. J'ai remarqué que je commence à avoir des cheveux blancs, donc j'aime bien faire ça. Hein. J'ai pris des petites gourmandises qui s'appellent comme ça les Flips à base de chocolat au lait. Et j'ai pris une autre version à base de caramel beurre salé.
Donc à tester. D'ailleurs on dirait qu'il y a un paquet qui est plus petit que l'autre, mais non non, il y a le même contenant. C'était autour d'1,50€ ces deux là. Pour chérie, je lui ai pris un petit bain de bouche comme ça de la marque Listerine, donc en version mini. J'ai vu ça à la caisse, je n'ai pas pu résister. Évidemment tout n'est pas pour moi, je vais en passer à mes enfants parce qu'ils marcellent pour avoir des baumes à lèvres. Donc de temps en temps je leur en donne un. C'est la version Friends comme ça, et j'ai trop craqué sur le packaging, c'était pas très cher. Et à la caisse aussi j'ai pris deux produits teints comme ça de Make Up Academy, Make Up MUA en fait hein. C'est une marque que j'avais déjà testé avant, et voilà, là je sais pas, ça m'a donné envie. J'ai plus de swatcher et ça m'a bien donné envie. On a un highlighter qui s'appelle Shimmer Highlighter Powder Iridescent Gold. Quand même il est très beau hein. Et vraiment il coûtait pas cher hein. Donc hop, le voici. Ouais, c'est pas de la pigmentation de dingue, mais il est là, il est là. Ouais, il est pas mal. Le deuxième, c'est un bronzer comme ça, avec plusieurs teintes à l'intérieur. Le Bronze Perfection Multi Bronzing Powder, en teinte... alors, il y a une étiquette dessus, donc je peux pas vous dire. Il y a l'étiquette de l'antivol dessus. Mais le voici. Pareil, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais au moins, si on mélange, on peut obtenir ce qu'on veut. Ah ouais, il est pas mal. Un peu chaud, mais ma foi, il est pas mal du tout, regardez. Il est pas mal du tout, donc ça, à tester encore une fois. Bon, encore une fois, le packaging est énorme. J'ai reçu un colis de Stylevana, je voulais trop vous montrer parce que cette fois-ci j'ai commandé des petites pépites. Déjà, j'adore la marque Flodia. Sachez que je vous fais gagner le calendrier de l'avant Stylevana dans une précédente vidéo. Et c'était la vidéo de lundi je pense, et on est logiquement mercredi si j'ai bien fait mes calculs. Et il y a du Froudia dedans. Stylevana, c'est un site que j'aime énormément. Il me propose de vous faire gagner un calendrier de l'Avent sur Instagram. Donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre là-bas. Et vraiment, le calendrier, c'est une pépite. Du coup, je suis contente. J'ai reçu des crèmes pour les mains parce que je suis une méga fan de leur crème pour les mains Froudia. C'est vraiment du Bath & Body Works made in Korea. C'est aussi bien que Bath & Body Works. Donc j'ai pris une comme ça qui est à la banane. Alors j'avais pas demandé banane, j'avais demandé noix de coco. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé banane deux fois. Donc petite erreur de leur part, mais c'est pas grave parce que la banane elle est déjà là. Donc celle-ci, vous savez où elle va se retrouver. Hein, n'oubliez pas le petit mot féline. Et là, c'est un coffret où il y a beurre de karité, framboise, fruits de la passion, pêche, fruits rouges et banane. Et moi en fait, je voulais la noix de coco absolument parce que je l'adore. Mais non, je n'ai pas reçu la noix de coco, donc ce n'est pas grave, je la recommanderai la prochaine fois. J'ai reçu un spray fixateur en mode glow, make-up fixer, comme ça, de la marque Bulgarian Rose Water. Le packaging est super. Et ouais, regardez-moi ce packaging, quoi. Pff, sur le site Stylevana, il y a le truc de fou. C'est super, bon, regardez, avec cette espèce de dégradé de rose et blanc. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ça se présente comme ça, plutôt. Ça a une forme un peu de la marque Amish. Donc, je pensais que c'était la marque... non, mais je me suis gourée, en fait. Ah oui, la marque, elle était cachée ici. Donc, c'est la marque Amish. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et pff, trop beau. Donc c'est un fixateur pour le teint, un peu effet glow, ça je vais le tester très 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 rapidement. Ils m'ont envoyé des petites poupettes comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc de la marque Moon Shop, je sais pas, je pense pas en avoir demandé, mais il faut que je teste, pourquoi pas. Et deux produits pour le teint, je suis trop trop contente. Donc Be Love Pony Effect, donc je pense que c'est la marque Pony Effect, et c'est le blush Be Love. Regardez les packaging, ouais, ils sont vraiment très beaux. Ouais, c'est ça la marque Pony Effect. J'ai une palette de Pony Effect qui est vraiment top. Regardez-moi ce blush, un blush lumineux sublime. Oh là là, il est tellement beau. Oh oui, c'est un corail, je sais pas si vous verrez. Un corail lumineux qui est vraiment... Là, vous mettez pas d'highlighter, vous mettez que ça, quoi, parce qu'il est, il envoie du lourd. Et le deuxième, le dernier produit, c'est la marque Ribi, je pense. Three Color Triple Shading. Donc, ça se présente comme ça. C'est un peu plus simple au niveau du packaging. Et c'est un bronzer, tout simplement, avec trois couleurs à l'intérieur. Donc, ça permet de varier comme ça, de mélanger. Et celui-ci, ça a l'air d'être un bronzer beaucoup plus froid. Vous le voyez ici. Vous voyez, il est moins dans les tons chauds, il est froid. Et moi, j'aime beaucoup les bronzers froids. Donc, au moins, j'en aurai deux différents entre celui que j'ai acheté et celui-ci que j'ai reçu. Je crois que c'était le dernier produit, mais non, j'avais pas vu. Il y en a deux autres. Oui, j'ai craqué pour le teint hein, sur Stylevana. Et je vous mets bien sûr mon lien en bas et le code promo que j'utilise, qui est un code promo qui vous propose moins 15% je crois sur tout le site, je ne sais plus. Shining Chic, donc un blush de la marque Peripera. C'est la teinte 06, donc il est un peu clair je trouve, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est vraiment un rose bébé. Je sais pas du tout.
Oula, je sais pas du tout si ça ira ma carnation. On verra, hein, ça on va tester. Je suis pas... Ça, je crois que je me suis vraiment plantée sur la teinte. Mais le packaging est quand même super bien. Assez épais, vraiment quali. Le dernier est un highlighter de la marque Misha, qui est une marque un peu de luxe, version coréenne. Et c'est un highlighter de la gamme, je pense, Ital Fairy Planet Ital Prince Highlighter. Et regardez-moi la merveille. Il est tellement beau. Tellement beau le packaging. Il y a des effets, donc c'est un... C'est une sorte de champagne avec des effets roses à l'intérieur. Il est là. Alors, c'est pas une pigmentation de dingue, mais il a l'air top. Mais il a vraiment des sous-tons rosés. Hein. Il est tellement beau. Petite commande sur Boussy Job, c'était pour un swap que vous allez voir très très bientôt. Et du coup, j'ai... Alors, c'est pas le swap avec Lily, mais c'est pour une autre swappée. J'ai craqué pour le coffret comme ça de chez Essence avec que des pinceaux comme ça, le brush set de leur collection. Les pinceaux Essence sont vraiment pas mal et ce coffret était pas très très cher, autour de 12 euros. D'ailleurs, pas de risque que vos pinceaux s'abîment. Regardez comment c'est bien installé à l'intérieur. Il y a 3 pinceaux pour le teint et 3 pinceaux pour les yeux. En revanche, celui-ci, ils l'ont mal emballé du coup. Les poils sont un peu dans tous les sens. Hein. Ça, c'est pas terrible, Essence. Regardez. Regardez, les poils, ils sont dans tous les sens. Bon, je vais le remettre bien. De toute façon, quand je vais le laver, je vais le remettre bien. Comme ça, et bah, ils vont se remettre parfaitement bien. C'est la gamme Love is Love. On va regarder, hop, un gros pour voir. Oh oui, ils sont bien doux. Oh oui, oh, celui-là pour le contour de l'œil, il va être parfait. Donc je vais les laver et les utiliser très vite. Mais j'avais envie de tester un petit peu les pinceaux teint Essence parce que j'aime beaucoup leurs pinceaux pour les yeux. Mais teint, j'ai pas trop testé. Donc ce coffret valait le coup, je trouve. Hein, il est très très sympa. Sur Boussy Shop, j'ai craqué pour moi pour encore une fois une poudre bronzante, je pense. Un peu comme ça, baked. Un peu un dupe, vous savez, des Huda Beauty, je pense, là, des fameux bronzers. En revanche, c'est très clair. Alors, c'est pas une poudre bronzante, mais je vous dis des bêtises. Ah non, je vous dis des bêtises. C'est un highlighter 01 Sun Sand Me and Vitamin C. Et c'est un baked highlighter avec de la vitamine C à l'intérieur. On va swatcher ça où? J'ai plus de place, moi. Ah oui. Ouh, il est superbe. Il est là. Oh, il est superbe. Il a une texture hyper douce. Ouh, il est très très beau. Celui-ci, il est très très beau parce que je pense que la vitamine C apporte une sorte de... ça a l'air de lisser la peau. Je l'ai fait sur une partie. Vous voyez, il y a plein de petites ridules à ce niveau-là. Et ça m'a lissé le truc. Regardez comme ça renvoie la lumière. Oh. Et pour finir, c'est le dernier produit que je vous présente ici. Après, c'est la box Beauty Bay. Ce haul est toujours long, j'en suis désolée. Eh bien, c'est de chez Essence. C'est le Volume Booster Lash Primer Volume Super Volume. Et ça, je l'avais déjà. J'avais pas été conquise au début. Puis j'ai fini par l'adorer à la fin. Je l'ai terminé et c'est un primer à mettre avant votre mascara qui vous donne une sorte de belle courbure et du volume pour celles qui sont comme moi avec des tout petits cils. Donc je vous le conseille, il vaut pas très cher chez Essence et sur Boussy Shop il est facile à trouver. Je crois que vous le trouvez aussi dans certains Auchan. On finit par Beauty Bay, j'ai reçu leur dernière box parce que à part moment dans l'année, ils proposent des box Beauty Bay. Et là ils m'ont proposé de recevoir soit celle version soin, soit celle version make-up. Je vous avoue que celle pour le soin avait l'air très très bien. Mais j'ai pris la version make-up, donc ça se présente comme ceci. La boîte est superbe. Ça se présente comme ceci et c'est une grosse boîte comme ça que vous ouvrez. C'est la version For the Makeup Obsessed. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais honnêtement, très très beau. Très 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 beau. C'est super bien emballé, hein. Vous constaterez qu'ils ont mis de la protection pour éviter toute casse. Elle s'appelle The Showtime Beauty Box. Et waouh, il y a des produits à l'intérieur qui ont l'air dingues. Il y a des produits que j'ai déjà, mais comme je vous l'ai dit... Ça va aller dans des concours. Waouh, mais c'est trop trop bien emballé. Regardez ça. Il y a de la protection comme jamais quoi. Il n'y a pas de possibilité de casse là cette fois-ci. C'est impossible. Déjà, on a une palette de chez Nabla. Cette palette coûte 26 euros. Donc votre box, elle est rentabilisée. Moi, je l'ai déjà. Donc cette palette, elle va être pour vous. C'est une palette que de glitter Nabla. Il y a 4 glitters à l'intérieur. Elle est juste trop 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 belle, cette palette. Je l'ai déjà, logiquement, si je ne me trompe pas. Elle se présente comme ça. Une merveille. Donc ça, restez connectés, elle sera bientôt à vous, je pense. Soit dans mon concours là que je vous propose aujourd'hui, soit dans un concours sur Instagram. Ensuite, on a une palette de fard à paupières de chez XXX Revolution. J'ai jamais testé leurs produits. Elle se présente comme ceci, la palette. Et il y a 4 fards à paupières à l'intérieur, je pense. Ouh, ils sont gros, dis donc. C'est une... Ouh, elle est très belle. Vraiment très, 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 très belle, les couleurs. Alors là, je suis assez épatée. C'est des couleurs parfaites pour la saison, je trouve. Est-ce que je vais le garder pour moi? Je pense que je vais quand même tester. Ma curiosité a envie de tester. On a un produit Milani et c'est un blush Baked Powder Blush, la teinte 15 Sunset Passion. My gosh, regardez-moi cette couleur. Trop trop belle.
une espèce de terracotta comme ça. Il est trop trop beau. Oh, corail terracotta, pareil pour la saison, il est parfait. Un duo d'éponges comme ça pour le teint de chez Brushworks. Je ne connais pas du tout ces éponges là pour le teint. Donc ça, je suis bien contente de les tester. La forme est pas mal du tout, donc ça me plaît bien. Wonder Sponge Duo, l'eau de deux éponges miracle. Et bah écoutez, on verra si ça fait des miracles sur moi. On a un rouge à lèvres Beauty Bay. Et moi je les ai déjà tous les rouges à lèvres Beauty Bay. C'est une teinte mate, c'est la Juice. Donc c'est une teinte, je pense, un peu orangée. Et très 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 belle, encore une fois pour la saison un peu automnale, ils ont vraiment prévu le coup. Et même pour cet hiver, je pense que c'est un orangé qui tire vers le rouge. Et c'est une version matte, il est magnifique. Donc ça, je pense que je vous le garderai pour vous. On a un autre petit produit qui est la marque Soda. Ah, ça je connais pas, c'est un lip gloss comme ça, glitter. Une teinte Sugar, Diamond Sugar 102. Trop marrant, à l'intérieur vous avez des petits autocollants dans la boîte, c'est trop malin. Hein. Et le gloss est assez... c'est du rose quoi, hein. Je m'attendais à un petit violet vu... Ouais, c'est un petit rose avec des petits reflets pailletés là comme ça. Et il est très beau ma foi, il est très beau. C'est un petit format donc c'est très bien pour tester. De la marque Makeup Academy justement, on a un crayon lip liner Diva comme ça qui est une couleur très foncée, une sorte de marron bordeaux. Je vais pas l'ouvrir parce que le packaging n'est pas du tout pratique. Et on a ensuite un mascara comme ça de chez Wet n Wild, je pense. Hein, ouais, Lash Renegade. Oh, je vais pas y arriver. Lash Renegade Waterproof Mascara. Donc la forme est assez étrange comme ça, c'est très sympa. On a à l'intérieur des fossiles Simple Beauty. Et ça c'est cool, j'en ai déjà une paire de fossiles comme ça de la marque. Donc pourquoi pas tester aussi celle-ci. J'en ai pas souvent mais ça m'arrive d'en mettre un des fossiles. Ceux-là ils sont assez drama quand même, c'est les Lash Out. Je vous les montre. Hop. Ils sont quand même drama. Hein. C'est des fossiles, si vous voulez mettre ça pour Noël, un petit peu plus quand même. Hein. Pour finir, on a The Coffret de Dingue. Des pinceaux Beauty Bay. Et ça c'est la classe quand même. Donc les voici, ils sont dans une trousse comme ceci. Je les ai pas ceux-là de Beauty Bay. J'en ai pas mal de Beauty Bay mais j'ai pas ceux-là, j'ai pas la trousse. Et on va regarder à l'intérieur comment ça se présente. Mais c'est vraiment une belle box pour le prix. Je trouve que ça vaut grave le coup. Et la box pour le soin, elle était vraiment top aussi. Donc waouh, c'est que des pinceaux pour les yeux. Et moi je kiffe les pinceaux pour les yeux. Là vous avez quand même des estompeurs et tout. Vous avez de quoi faire. Vous avez un pinceau pour liner, il y en a un pour les lèvres. Et puis le reste c'est que des pinceaux pour les yeux. J'adore celui-ci pour le sourcil aussi. Il n'y a pas de brosse à sourcil en revanche, mais ça, c'est pas trop grave. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le prix, cette box vaut le coup. Il y a de quoi faire des beaux make-up, il y en a pour le teint, pour les lèvres. Il y a vraiment de tout. Elle est très très bien. Voilà pour ce haul et unboxing. On met des pouces en l'air si ça vous a plu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos derniers craquages, ce que vous avez acheté à la Sephora Gold, pour celles qui sont gold, ou vos derniers achats, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut!